Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais vous présenter notre nouvelle veste matelassée, la Europa. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire avec cette pièce? On a voulu créer un outerwear, donc une pièce pour porter à l'extérieur, qui soit chaud, qui soit confortable avec un effet très cocooning, très réconfortant, mais aussi qui s'adapte dans une grande variété de styles, de tenues, etc. et de layering en dessous. Et Julien, le chef de collection, a porté cette pièce en automne, en hiver, au printemps, ben un peu tout le temps en fait, hein. Ce qui me fait dire qu'on est plutôt proche de l'objectif qu'on s'était fixé. On est parti sur la forme très intemporelle d'une veste matelassée. Et surtout, ça permet de s'amuser sur l'isolant. Alors l'isolant thermique, justement, parlons-en. C'est du ClimaShield 100 grammes. Donc c'est un isolant qui est très haut de gamme, qui est vraiment utilisé par les marques outdoor les plus prestigieuses au monde. Son intérêt, c'est que ce sont des fibres longues. C'est-à-dire que ce n'est pas un isolant sous forme de coton qui peut se déliter. Là, vu que ce sont des fibres longues, ben, en fait, ça ne se déchire jamais. Donc c'est un isolant qui a une très très grande durabilité. Qui ne se délite pas, qui reste tout le temps en place, qui garde bien son gonflant. Et en plus de ça, c'est un isolant qui a un traitement contre l'humidité, ce qui fait que votre humidité corporelle ne va pas rester piégée dans les fibres, va vite s'évacuer. Il donne une certaine respirabilité à cet isolant. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans de grandes marques outdoor, c'est un isolant qui est utilisé pour des vêtements qui permettent de faire des efforts physiques intenses. Au niveau de l'épaisseur de l'isolant, c'est un sujet qui m'est cher, un peu technique, mais c'est une épaisseur de 100 grammes. Concrètement, c'est une épaisseur qui est très polyvalente et je pense qu'à moins que vous habitiez dans une région où il y a un hiver qui est assez rude, ça vous permettra sans problème de passer tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps avec, suivant l'événement que vous porterez en dessous. Vraiment, c'est une épaisseur qui est très très polyvalente. Bon, maintenant qu'on a cet isolant, cette pièce, il faut l'habiller, il faut trouver un tissu extérieur. Et pour ça, on a trouvé une matière qui est un peu inhabituelle pour une veste matelassée, à savoir un tissu en laine. Pourquoi avoir choisi de la laine? Tout simplement parce que la laine, évidemment, ça a quelques propriétés thermiques très intéressantes, c'est isolant, ça sèche plus vite que du coton, etc. Mais c'est surtout que ça donne un aspect qui est très élégant, très habillé, et qui contraste bien, je trouve, avec l'aspect beaucoup plus décontracté de cette veste. Mais ce n'est pas fini. À l'intérieur de la pièce, la doublure, c'est un jersey de coton organique. Et si vous portez notre surchemise Milo en laine bouillie, ça ne va pas vous surprendre parce que c'est la même matière. Donc c'est un coton organique qui est très doux, qui est très agréable à porter même la peau, surtout au niveau des manches. Donc si vous portez cette veste avec par exemple les manches de chemise retroussées ou en t-shirt, c'est une matière qui est très très agréable à porter à même la peau. Vraiment c'est un vrai confort et qui participe beaucoup à cet effet un peu cocooning, un peu vraiment réconfortant, un peu protecteur. Au niveau de la coupe, c'est une pièce qui a été pensée comme un outerwear, donc une pièce à porter à l'extérieur, et pas qu'une petite surchemise qu'on peut porter à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous avez au niveau de l'emmanchure de la place pour mettre un gros pull en dessous par exemple. Et enfin, on va finir par un sujet que j'aime beaucoup, les poches. Donc vous avez deux poches à l'avant, mais aussi à l'intérieur. Vous avez deux grandes poches intérieures qui seront parfaites pour mettre votre journal du jour, votre lecture de l'après-midi. Voilà pour cette veste Europa, une pièce qu'on a voulu extrêmement polyvalente, qui peut se porter avec un t-shirt ou une chemise décontractée en dessous, mais aussi avec un blazer ou une chemise en dessous également. Donc c'est une pièce à porter vraiment quasiment toute l'année, très confortable, très réconfortante et qui, je l'espère, va pouvoir vous accompagner un peu partout parce qu'elle a vraiment été pensée pour ça. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous réponds dans les commentaires.